Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série sur Rainbow Six Siege. Alors, vous le savez, je vous propose avec Psy hein, des vidéos du mode multi. Mais voilà, je vais essayer de vous proposer. Donc, vous le savez, il n'y a pas de mode solo à proprement parler. Il y a, dira-t-on, un didacticiel qui s'appelle le mode situation. Et vous avez 10 missions à faire. Donc, vous voyez, j'en ai déjà fait 7. Hein, donc, on va aller tranquillement, on va les faire une par une. Et donc dans chaque vidéo, vous aurez une situation et après une chasse aux terroristes que je ferai en solo, voilà, histoire de vous présenter un petit peu cette chasse aux terreaux et puis histoire de faire une vidéo un tout petit peu plus longue parce qu'une situation en général, ça dure 5, entre 5 et 10 minutes. Donc histoire de faire une vidéo d'à peu près un quart d'heure. Allez, donc on va aller faire cette première situation. Donc combat rapproché, terminer avec une santé d'au moins 50, éliminer deux ennemis tout en visant. Réussissez 4 tirs à la tête. Donc combat, on va se mettre en difficile. Non, on va se mettre en normal. Ah, quoique. Non, on va se mettre en normal. Honnêtement, c'est déjà suffisamment compliqué par la suite. Et je vais vous laisser profiter de la présentation du truc. Allez, c'est parti. Donc on va voir un petit peu tranquillement ce qu'on peut faire. J'ai dit lui meurt jamais. Ok. Donc vous voyez en haut, vous avez le compteur d'ennemis, il en reste 8. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai un drone. Là, ok. Là. Tac. Voilà, très bien. Tire en pleine tête, c'est fait. Ah, par contre, tire en pleine tête, c'est pas ça. Hein. J'ai beau viser la tête, je touche pas systématiquement la tête. Hein. Bon, tranquille, il reste 5 ennemis. Bon, on est sur la première mission, hein, donc c'est normal aussi que ce soit pas très compliqué, hein, vu que ça fait office de didacticiel. Hop, je sais pas pourquoi j'ai pas repris l'autre drone. Tiens. Et après, on va voir. Est-ce qu'il me semblait qu'il y avait du monde là? Ok. Et on va voir. On va monter tranquillement. C'était une flash, il me semble. Ça vient ou pas? Non.
On recharge, on recharge. Et voilà. Vous voyez, mission réussie, c'est pas très compliqué. C'est la première. Hein. Tac. Lui, il en a pris qu'une. Comme ça, au moins, on est tranquille. Donc voilà, j'avais déjà les étoiles, donc je n'avais pas besoin de d'en avoir plus. On gagne pas beaucoup de réputation, logiquement. Logique, du moins. Allez. Donc vous voyez, hein, les situations, ça va très vite. Après, elles ont différents objectifs. Il y en a, par exemple, il faut utiliser, tuer, par exemple, 4 ennemis avec, avec des flashs. Après, réussir à éliminer un mec en explosant un mur. Il y a plein de petites choses comme ça. Je ne sais plus où elles sont, celles-là. Terminer la situation, hein, hop. Détruisez 2 surfaces cassables à l'aide d'explosifs. Éliminer un ennemi aveuglé, vous voyez. Terminer la situation. Éliminer 2 ennemis à travers une surface destructible. Et ça, par contre... C'est pas le plus évident, c'est vraiment vraiment pas le plus simple. Moi j'en suis là. J'ai pas réussi à la faire encore. Hop, détruisez 5 nitros, terminer la mission en moins de 5 minutes. Honnêtement, j'ai pas trouvé comment faire. Terminer la situation avec une santé d'au moins 50. Bon, alors voyons voir maintenant. Tac, on va aller faire. Il faut que j'aille dans les options déjà. Parce que ouvert aux amis, préférences des matchmaking. Chasse au terreau. Désamorçage de bombes, ça m'intéresse pas. Extraction d'otages, je veux bien. Protection d'otages, oui. Et chasse au terreau, voilà. Hop. Donc, chasse au terreau. Loup solitaire. Et on va se mettre en normal pour le moment. Hein. La première, on la fera en normal. Pour l'épisode 2, on verra comment celle-là va se passer. Si elle se passe bien, ben on fera l'épisode 2, on fera en difficile. Donc, ah, l'avion. Donc vous voyez, j'ai pas mal de... du moins, pas mal. J'ai débloqué déjà 4 agents en situation d'attaque. Et je crois que j'en ai 5 ou 6 en situation de défense. On va prendre Fuse. AK-12. Quoique... On va prendre les explosifs et pas les flashs. Ça me permettra d'exploser les trucs. On va se mettre là, tranquille. Voilà. Donc vous voyez, je joue avec la K12, un silencieux. Un camouflage que j'ai débloqué. On va se mettre là tranquille. Là, faut vraiment regarder partout, hein, parce que. En soi, ils sont très 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 sournois. Ok, donc là, ils peuvent pas être là. Je suis con, c'est une sortie. Et ils sont vraiment capables d'aller se planquer partout. Bien loupé. Allez, tac. Bon, c'est sûr, je pourrais faire plus discret comme entrée. Est-ce qu'il va venir ou pas? Alors, attention, parce que l'IA est pas si mal fait que ça, hein. Voilà, facile. Lui, je l'ai même pas vu arriver. Lui, il a dû monter. On va avancer tout doucement. Ah, parce que là, les ennemis bougent. Hein. On a vraiment une IA qui est assez intéressante, hein, quand on joue en solo. On a une IA qui se met à couvert. On a une IA qui se protège bien. Une IA qui sait tirer aussi. Quand vous jouez en réaliste, je peux vous garantir qu'elle vous loupe pas beaucoup quand même. Continue d'avancer.
Oh, je l'ai pas vu lui. Mais alors pas du tout dans le dos là. Ok, donc là on est bien. Je suis à couvert. On va reprendre mon drone. Il est là, tac. C'est par ici. Ok, ouais, je l'ai pas du tout vu dans le coin lui, hein, voyez. Que je vais en toucher. Ouais. Ça, c'est bien joué, ça. Tac. On avance tranquillement, hein, le but. Voilà, ça, c'est un kamikaze. Donc c'est ceux qu'il faut éliminer en priorité. Parce que eux, par contre, ils se font péter au contact. Hein. Donc eux, faut vraiment pas hésiter à aller... On va leur déchausser les dents, pour parler vulgairement. Là, j'ai vu personne. Ok. On va finir cet étage, hein, tranquillement. Là, j'ai vu personne. Là, il y a un mec. Tu m'as bien loupé, toi. On va pas avancer plus. On va se mettre là avec le drone. Tac. Ah, j'y vais. Petit à petit, hein, c'est le but. C'est quand même d'avancer et pas de mourir comme un idiot. Putain, il y a... Ouf. C'est sacrément piégé. Lui, c'est fait. Lui aussi. Ça, c'est bon. Comme quoi, hein. Le repérage au drone, ça aide. Hein. Attention. Moins un. Donc, je pense que j'ai eu le gros. Hein. Bon, 10 ennemis restants, ça c'est bon. Allez, on est pas mal. Il m'a dit qu'il y a un ravitaillement là, mais je pense qu'il est dans la pièce à côté. Hein. Tac. Ah, mon drone a été pété. Voyons voir. On va descendre. Ouais, on descend. Déjà, quand j'aurai fait le sous-sol de l'avion, je sais qu'il en restera quand même moins. Bien loupé, toi. Là, chez Cana 3. Hein. Alors, attention, tac. Et là, on va descendre. Important de pas se faire avoir bêtement. Moins un. Tac. Je crois qu'il y en a un ici. Là.
Voilà, c'est fait. Putain la vache. Ouah. Il est arrivé d'où lui? Eh bien, il va falloir que je fasse gaffe, hein, parce que... En termes de vie... Il est descendu ce con-là. Tac. Ok. Ok, ça c'est bon. Ah, j'en ai repéré un. Faire un peu de ravitaillement, hein. Ok. Ça c'est bon. Ça c'est fait aussi. Là-bas, il y a un bout quand même. Là, il y a un bouclier derrière lesquels ils se mettent, logiquement. Bon, déjà, on a fait la cale. Donc, on est tranquille. On va pouvoir monter. Bon, je suis revenu à mon point de départ. C'est bon. On va dire, j'y vais quand même un petit peu fin la bise là. Il fallait pas qu'il me touche, hein. Ouf, il en reste un. Et voilà, mission réussie. Bon, ça a été plutôt bien, ça s'est plutôt bien passé. J'ai perdu beaucoup de vie sur le mec qui m'est arrivé dans le dos. Alors la prochaine fois, je pense que je le ferai avec le casque, parce que c'est vrai que là, je le fais avec le... Avec les haut-parleurs, et pour pas que vous ayez trop de retour dans le micro, j'ai pas mis trop fort. Mais la prochaine fois, je le ferai avec le casque pour bien entendre s'il y a quelqu'un qui arrive derrière moi. Ça m'évitera de mourir bêtement. Bon, bah écoutez, ça s'est plutôt pas mal passé. Et on voit, changement de niveau. 180 plaques de renommée. Donc avant de se laisser, on va aller voir dans le menu des agents, voir ce que si l'on peut prendre quelque chose ou pas. Alors, donc, vous voyez, j'ai 4 attaquants, 6 défenseurs. Alors, par contre, si je fais débloquer un nouvel agent... Ouais, Termite, c'est 1500 pour moi. Ah, ah, c'est énorme, mais j'ai que 1200. Ok. Très bien. Ok, ok. Bon, là, j'en ai qu'un. J'avoue pas être... ouais, je suis pas un amateur. Le bouclier, non. IQ, pourquoi pas. Jagger est pas mal, mais c'est la défense. Il me faudrait aussi quelques trucs d'attaque. Bon, mais écoutez, j'espère que ce premier épisode, de cette nouvelle petite série, hein, si on regarde bien, il y aura, voilà, il y aura 10 épisodes. C'est très court, hein, donc c'est plutôt intéressant à faire. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Portez-vous bien et à bientôt. Ciao tout le monde.